So here you are in the dungeon. On est au donjon. On est au donjon. And Donjon is the product security team of Ledger. On y pratique tout un tas de techniques de hacking. La particularité du donjon, c'est que c'est une équipe en sécurité qui a un très haut niveau d'expertise, à la fois en sécurité logicielle et en sécurité matérielle. On attaque nos propres produits pour avoir toujours un temps d'avance par rapport aux attaquants. On fait exactement la même chose qu'un hacker, qui essaie de pirater nos produits. Et le but de toutes ces évaluations, c'est d'identifier les potentielles failles. Trouver des vulnérabilités, voir si c'est exploitable ou non, et dans tous les cas, les corriger. Ça me semble important de savoir bien attaquer un produit pour savoir bien le défendre. Comme ça, au moment où ils sortent, ils sont déjà invulnérables. Notre but, c'est de détecter ces attaques avant qu'elles puissent être exploitées par des pirates. Dans le milieu des crypto-monnaies, il y a énormément d'argent. Les produits qu'on vend servent à sécuriser justement les crypto-monnaies. Donc je pense que ce que recherche particulièrement un attaquant, c'est le gain. Chaque projet est un défi. Le but, c'est d'arriver à contourner les protections d'un circuit qui a été conçu pour résister aux attaques. Trouver un moyen détourné de les exploiter, c'est assez challengeant. What I find interesting is to do real attacks. C'est un état d'esprit, c'est ça qui me plaît, quoi. On peut passer des mois sur un projet à préparer une attaque, à réfléchir comment on va y arriver, à essayer de comprendre comment un produit fonctionne. You should be curious. Should be serious. Beaucoup de persévérance. You should be patient. On peut parfois être bloqué, faut jamais abandonner. Lorsqu'une attaque fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est hyper gratifiant. I get satisfied when I present an attack which is robust, which is a safe attack, which is a fast attack. Souvent, quand on attaque une puce, on est les premiers à y arriver. It's a big moment. This is not a normal job. Dans cette série de vidéos, nous allons vous montrer différentes techniques d'attaque. On va montrer comment attaquer une puce électronique. Les attaques peu coûteuses en glitch de tension. We are going to show you an example of controlling a mobile phone remotely in order to extract the seed and manipulate the crypto money. Ou des attaques plus évoluées comme l'injection de faute électromagnétique. Et puis on va passer à des attaques plus compliquées avec des gros moyens financiers, par exemple une attaque avec un rayon laser. On va vous montrer comment faire des frappes chirurgicales sur une puce électronique.